Salut à tous, c'est Djibril Cissé. Alors aujourd'hui, je vais regarder quelques vidéos sur un peu le déroulé de ma carrière et voilà, on va rebondir dessus. On est obligé de passer par là. Quand on parle forcément de Djibril Cissé, on parle de blessures. Donc ça fait partie du truc. Moi, ça me dérange pas d'en parler. C'est juste voilà, mes proches. Et ma famille, que ça dérange, moi j'assume, mais je suis fier d'être venu deux fois après ça. Celle-là, c'est celle juste avant la Coupe du Monde, enfin la veille de la Coupe du Monde. France-Chine, on partait le lendemain en Allemagne. C'est plus ça qui me dérange, voilà. C'est plus voilà, le moment où ça arrive, parce que c'est le dernier match de préparation. Je pense que j'aurais eu une bonne chance de commencer le Mondial. Et il y a ça qui arrive la veille, après toutes les galères, après être revenu de plusieurs mois de non-sélection. Voilà, c'est plus ça qui est dérangeant. Après les blessures, ça fait partie du sport, on le sait, ça fait partie du sport de haut niveau. Même ma petite sœur, elle tire plus fort que toi. Ouais, là on est avec ce foot nickel. Et de... Enfin, il n'y a pas que Mickaël qui est fou d'ailleurs dans cette équipe, ils sont tous fous. Je suis à Auxerre et je reçois un coup de fil d'un des agents qui me dit « Ouais, Mickaël Youn, il te voudrait dans un des films, il m'explique le film. Ouais, tu serais toujours ton rôle. Voilà, ils veulent un peu faire à la Jackass. » Voilà. Ok, pas de souci. Donc j'arrive au parc et il m'explique le délire. J'ai dit, mais vous êtes sûr les gars? J'ai dit déjà, nous au football, à distance 9 mètres, on veut pas se mettre dans le mur. Donc vous êtes là sans habit, avec juste une coque pour vous protéger. Et vous me demandez de vous allumer. Ouais, non, Djib et tout. J'ai dit, ok. Bon, on y va au départ, j'ai un peu peur. Je me suis dit, j'en prends un dans la tête, on sait jamais, il peut arriver des trucs. Et Mika qui vient, limite qui m'embrouille. J'ai dit, ouais, t'es en train de nous niquer notre film. Vas-y, mets la pêche et tout, on t'a demandé de faire un truc. J'ai dit, ok, pas de souci. Et là... Et là, il se passe ce qu'on voit dans le film. Pour demain, vous allez me faire ça, là. Je refuse de le regarder, le truc, moi, depuis des années. Ouais. Non, j'ai arrêté là, c'est bon. Non, mais on en parle, mais j'ai pas pu le regarder. Mais expérience de dingue. Juste, voilà, mauvais moment parce que j'attendais de me faire opérer de la hanche. Mais vraiment, une super expérience et ouais, c'est juste le timing. J'aurais vraiment aimé le refaire avec un corps valide, quoi. Dalle, c'est pas on vient, on s'entraîne une heure par jour et performer le samedi, allez-y. C'est 8h, 13h ou 13h, 16, 17h. C'est vraiment un cours de danse intense. Après moi, ça allait parce que voilà, le foot, on est quand même habitué à avoir une intensité de travail. Et non, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je me suis dit, on va venir, voilà, on va... Voilà, c'est un peu du... Pas, je dirais pas du fake, mais c'est un peu, voilà, un habillage, non. Alors que non, pas du tout. C'est... Ouais. Djibril Cissé. Exactement. Ouais, un vrai 3-3, un vrai match de fou. Le déroulé de cette saison-là est folle pour moi. Parce que j'arrive à Liverpool, transfert record à l'époque. Et assez tôt dans la saison, je me blesse. Je me fais un tibia péroné au mois d'octobre. Donc je loupe presque toute la saison. On me voit presque fini pour le foot. Et j'ai annoncé que j'allais rejouer avant la fin de saison. On m'a pris pour un fou. Et finalité, je joue un mois avant la fin. Après, on est à Istanbul 2005. Finale de la Ligue des Champions face au Milan AC. Un des grands Milan AC de l'histoire de Milan. Il se passe qu'on prend un 3-0 sec à la mi-temps, qu'on arrive à retourner le bail et on arrive à faire 3-3 à la fin du match. Et encore mieux, on arrive à gagner le match au pénalty. Donc je participe à la séance de pénalty en deuxième tireur. Je marque mon pénalty et on bat le grand Milan, mais on vient de l'enfer, quoi. Oui, c'est clairement le meilleur souvenir de ma carrière. Le foot, c'est fini. Voilà, c'est une page qui se tourne. Fier quand même de fêter mes 20 ans de carrière cette année. Et maintenant, j'ai toujours eu une passion de la musique et notamment de DJ. J'ai toujours remixé depuis que j'ai 14 ans
Au centre, j'avais mes platines, je mixais déjà. Et aujourd'hui, je tourne en club sous l'alias de Cheba. Là, on se lance dans la prod dans pas longtemps. On va essayer de sortir quelques titres. Je suis assez proche de Diplo et j'apprends qu'il vient jouer au Rex. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis, elle est où, man, invite. Comment tu viens au Rex et moi, je joue pas avec toi. C'est quoi ce délire? Et il me répond, let's do it. Et le lendemain matin, je reçois un mail de l'orga du Rex qui me dit, ouais, Diplo nous envoie un message pour que tu fasses ta première. Excité comme une puce, vous pouvez pas savoir comment. Déjà, de jouer dans une salle comme le Rex, c'est une salle mythique de la scène électro de Paris. Et en warm-up de Diplo, donc... Voilà, c'était beaucoup d'infos en une nuit. Mais franchement, on s'est régalé, on a pris le truc comme il fallait le prendre. On a fait une super soirée. Les gens étaient étonnés parce que les gens se disent, ouais, c'est Djibril, il est footballeur, on ne sait pas ce que ça donne, mais on vient voir. Et j'ai eu voilà, des super retombées. Sans titre dehors, arriver à faire ce qu'on fait, je suis pris de croire que ce n'est pas juste avec mon nom. Et là, il y a beaucoup de choses qui se trament là cet été. Et je pense que les gens vont comprendre que c'est pas un caprice de star, je sais pas quoi faire, bon allez vas-y je vais mixer. Et on essaye d'avancer au mieux, tout en kiffant. Ça c'est le maître mot, c'est prendre du plaisir et après le reste on verra.